un boulevard dans l'axe qui a été exploité avec énormément d'efficacité par les joueurs de Carquefou. Évidemment, quand on vous disait qu'on aime bien voir les petits chatouiller les gros, évidemment, ça ne peut pas mieux commencer pour tous les 35 000 personnes ici qui sont en vert et blanc. C'est vrai que c'est un superbe contrôle orienté de l'EP qui tout de suite dans la, sur une touche voit dans la profondeur, c'est Ndoye je crois ou c'est Mackiesé qui va marquer, mais c'est vrai que c'est Ndoye, c'est ça. Mais... Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Football Manager 2013. Donc aujourd'hui on va pas faire grand chose, on va juste voir donc comment passer un match et comment se débarrasser des clubs à qui on a pris obligé de transfert. Ensuite, on se retrouvera pour le début de la saison avec Carquefou. Donc, on va revenir sur la partie. Voilà, hop, celle-là, vous voyez, j'ai entamé une autre partie avec les Rangers. C'est sympa parce qu'ils sont en 4ème division. En vrai, peut-être je filmerai quelques épisodes. Parce que je fais pareil pour m'aider, j'ai pris un peu du budget transfert. Parce que c'est pas mal. Ouais, bah, désolé, j'aurais peut-être dû charger la partie avant. Alors, je pense que ça va aller vite. Donc, pour vous débarrasser des clubs, vous voyez, on a vendu une ou deux joueurs. Je vais vérifier. Roger, non. Transfert record. 118 millions. Est-ce que... Ah, ça y est, donc les deux ont signé. Donc maintenant, il faut vous débarrasser des clubs, évidemment, vous n'allez pas les garder. Donc faites changer d'utilisateur. Manchester City. Là, vous en foutez, vous faites action, retraite. Et voilà. Vous êtes débarrassé. Et pour le PSG, on fait pareil. Donc, action, retraite. Voulez-vous prendre votre retraite? Vous faites oui. Rejet de la proposition concernant Lukiar. Ah oui. Ah, parce que j'ai. Je vais offrir. Il est à 800 000 euros. Je vais offrir 1,6 million. Vous voyez, j'ai quand même que 36 millions de budget pour les transferts. Mais bon. Ça va, quoi. Kwame Agbo. Je fais une offre pour lui. Ah, il veut pas négocier avec moi. C'est normal. Pourtant, j'ai coché. Faut laisser cocher transfert réaliste parce que sinon, vous trouverez un petit peu mal, quoi. Vous donnez tous les joueurs, enfin, ça ne servira à rien. Donc, avoir un peu des transferts gratuits. Non, on va voir les gardiens. Donc, mais c'est un peu nul ça. Les évaluations avec les étoiles, c'est en fonction du niveau de votre club. Hein. Évidemment, si pour moi il vaut 4 étoiles, il va peut-être pas valoir 4 étoiles pour le Real Madrid ou le FC Barcelone. Ça paraît évident, mais bon. Est-il bien de le préciser. Donc, pas grand monde. Hein. J'ai demandé des rapports. Et on verra bien. Je peux. Hop. Donc, on sélectionne tout. Hop, contrôle, on le prend aussi. On va demander des rapports. Voilà, donc, ça c'était pas trop le sujet de notre tuto. On va aller jusqu'au match. Ça va pas être long aujourd'hui. Hein, parce que le match c'est bientôt et comment passer un match, c'est rapide. L'offre pour Carquefou pour Lukiar est acceptée. J'ai rien qui signe. Ok, bah il veut signer, donc bon. Ah oui, je vais essayer de demander au président de passer professionnel l'année prochaine. Pour cela, vous devrez aller dans
Carquefou, dirigeant. Discussion, elle est où? Comment parler au dirigeant? Parler au dirigeant, c'est là. Personnel. Non, réseau. Non, staff. Non, infrastructure. Finance, le statut professionnel. Vous cliquez là. Le club est du même niveau, la division. Il est vrai que pour franchir un échelon, le club doit passer professionnel. Il nous a fait en sorte que ce soit le cas au début de la saison prochaine. Donc ça, c'est bon. Ne pas oublier de le demander, parce que vous avez retiré de meilleurs joueurs, c'est évident. On va faire continuer. Donc ça ira très vite aujourd'hui, hein. On se retrouvera pour l'ouverture de la saison nationale. J'espère que vous ne serez pas trop déçus que ce soit pas très long. Mais bon, c'était l'idée, c'est vraiment plus un tuto qu'un épisode. Ok, attendez, là j'ai des rapports. Je regarde, hein, je recrute qu'à partir des 3 étoiles. Donc là, il n'y a pas. Donc on passe. Voilà. Que j'ai plein de matchs amicaux. Peut-être que même que je vais les passer, je ne sais pas. Parce que le début de saison, c'est assez énervant. Donc, on joue aujourd'hui, logiquement. Ouais. Mais, donc, quand vous arrivez sur cet écran, je ne sais pas où nous sommes. Ah, nous sommes là, Carquefou-Lorient. Donc, vous allez dans votre nom, vous allez dans Action, partir en vacances, refuser toutes les offres et vous faites revenir en vacances. Les vacances après un jour, vous faites OK. Et vous attendez et vous allez voir, on va voir notre résultat. Qui à mon avis est bidon parce que bah, c'est dur. On a seulement perdu 2-1, donc on s'en est pas trop mal tiré. Donc je vais vous laisser, je vais sauvegarder la partie, je vais continuer en off jusqu'au début de la saison et on se retrouve donc pour le début de saison de National, le plus vite possible évidemment. Il faut me dire si mes explications sur la vidéo d'analyse de partie entre Nakamura et Guiri, si mes explications sont assez claires. Voilà, ça serait pas mal de me dire ça. Allez, à plus !